Bonjour madame, excusez-moi, j'habite le coin mais à chaque fois je vous vois toujours passer avec les casiers. Je veux savoir ce qui se passe. Ben, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Oui. Ouais. Je suis Moutinga Zenaïde. Moutinga Zenaïde, c'est un nom gabonais? Oui, bien sûr. De la province de... De Langounier. De Langounier, oui. Mmh. Donc, comme vous voyez, vous avez constaté, je suis... Je me débrouille là comme ça, je soulève des casiers, je fais des livraisons, j'ai un petit dépôt. Voilà, ouais. Je me débrouille en tant que femme, capable que je suis. Ouais. Voilà. Vous êtes mère d'enfant? Bien sûr. Vous avez combien d'enfants, excusez-moi? Vous avez deux enfants, oui. Et vous habitez un peu plus bas. Vous montez cette colline là pour venir livrer des clients ici? Oui, mon dépôt se trouve ici, mais je n'habite pas le quartier. Ouais. Ouais. Parce que moi j'ai ma petite salle de jeu là, mais la plupart du temps je vous vois toujours monter avec les casiers. Je me suis posé que la question que vous avez un bar, mais à la longue je vois que ce n'est pas l'initiative de quelqu'un qui a un bar. J'ai un mini dépôt. Un mini dépôt. Vous êtes, voilà, vous êtes gabonaise. Gabonais. Et vous vous débrouillez. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vos soeurs qui ne se débrouillent pas, qui passent le temps à déambuler toutes les journées dans les motels, les bars? Juste leur dire que en tant que femme, on peut faire mieux. Au lieu d'attendre d'un homme pour que l'homme te donne l'argent, il doit t'insulter, il doit aller avec toi au lit, alors que nous-mêmes on peut se débrouiller. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Ouais. Et puis l'argent n'a pas d'odeur, de couleur. Voilà. Il n'y a pas de sous-métier, il y a que des autres gens. Donc, un conseil à donner à toutes les femmes, c'est de se battre en se débrouillant, en faisant des petites écoles. Est-ce que c'est un... Le plus souvent, d'autres te diront que c'est un métier d'homme. Est-ce que c'est un métier d'homme? Oui, c'est vrai que c'est un métier d'homme, mais rien n'est impossible. Hein. Comme on dit, la femme... Ce que femme veut? Ce que femme veut, Dieu veut. Ouais, ouais. Voilà. Donc, même, pourquoi pas? Si aujourd'hui, on voit des femmes présidentes, hein, si on voit des femmes qui conduisent des panthères... Si on voit des femmes qui ministres, ça veut dire qu'on peut aussi faire dans ce que je fais là. Ok, d'accord, mais en faisant ça, est-ce qu'il y a quand même des difficultés, les gens vous emmerdent? Est-ce que la clientèle, elle est chiante? Est-ce que les autorités, la mairie, le trésor public, un truc un peu, tout ce tralala là? Vous êtes confronté quand même à des petits problèmes? Vraiment, la mairie embête, mais quand même, quand je représente en tant que carbonaire, je comprends. Voilà, moi une gabonaise qui se bat et voilà, donc ils comprennent parfois. C'est vrai qu'ils embêtent vraiment, mais bon, ils comprennent. Il y en a qui comprennent parfois. Et la montée là, elle n'est pas pénible pour vous, en seulement deux casiers? Bien sûr. Parce que moi-même j'ai essayé, mais je pense que c'est pas chose facile. Même si elle est pénible, mais bon. On fait avec. Pas du temps, on fait avec. Du moment qu'on essaie quand même de gagner sa vie honnêtement. On ne gratte pas la tête, voilà. J'arrive à nourrir mes enfants, à les envoyer à l'école, voilà. Ok, d'accord. On va essayer un peu de faire la distance ensemble. On va voir un peu combien de fois c'est pénible. Parce que les gens pensent... Vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. Ok, d'accord. Je vais attendre un instant. Non, oui, allez prendre le casier un peu blanc. Hein. Voilà, c'est parti. Go! Vous voyez bien? C'est une fille, une gabonaise en plus, elle se débrouille. Bon, vous qui passez votre temps dans les motels et tout, qu'on sort les bars, en train de boire le vent en longueur de journée. Quand on vous dit fournissez un peu d'effort, vous refusez. Voilà, vous attendez que l'argent de l'enrôlement, l'escroquerie là. Ah. Voilà les adhérents d'Armel. Voilà. C'est ça là. Elle fait les tours. Là, elle prend là, elle va remonter. Hein? Voilà, on va l'attendre au retour, on va voir la descente qu'elle emprunte pour venir livrer ses clients. Voilà, vous voyez la pente là, non?
C'est la pente là qui me botte même là. Voilà. Maintenant vous là, vous êtes dans les bars, vous êtes en train de boire le vin, en pensant que non, l'économie informelle du pays là, vous ne pouvez pas gérer ça. C'est d'autres personnes qui peuvent gérer ça. Ça c'est une femme. Voilà. Elle a préféré se débrouiller que d'aller s'asseoir dans un bar ou après attendre un client pour aller au motel prendre 5 000 facilement. Ou s'envoyer en l'air pour un téléphone iPhone. Voilà. C'est ça, vous voyez bien, non? Voilà. Donc vous avez le chariot. Comme vous avez du mal à monter avec le chariot, vous le posez ici. Et vous faites le reste là à pied. Ouais. Ouais. D'accord. Tournons le chariot, maman va partir. Ah. Mine de rien, vous êtes courageuse. Hein? Faut pas se voiler la face. Hein? Mon bien.